fori Malick Camara nara susumange yandi woma avocat tagembe to anadede nga inama na fera mfena to yigesege nkeli akosi rezoma nansa findi Ali Camara le commandant Ali Camara ga fera Birina ha Kagli Fife Lagina Kema Alari Bori Ratanga Alari Bori Kiri Wule Kui Yandi Wokata Ofode Abbas Khrimbe Pas Mako Nama Stoma Kina Vendredi Nanto Kwebari Baden Tangoya Voilà Afin à l'envoi, on aura discuté. Fine, mais publiquement, on discute. Donc, il y a là. Birina, rare les fifés. Moi, ma. Ora Idi Amin Tagembe. O Mamadi Fantagembe. Tout le matin, Wal Alia Fanta Gembe a fanga tout le matin. C'est très important. On brille mon femme l'encre. On brille un gafeto qui crée mara. Ce manga à tout ma kina à fala manakine. Et puis moi hésite ma. On a que la femme a fini de rafaina la rayan rina la maclo. N'a fala ma. Idi Amin lama. Idi Amin. Quel est l'inima? Il est tiré, il combine de destruction. Amoufan la Guinée, amoufan Itayat. Autant, Mire Mayon ou Dougoula Nana, ou Sosé Mayon ou Sonfé Nana, c'est-à-dire à Emilie, Imam Fara, il a condu, il a exploité, il a Rounakana. Ça a été toujours comme ça. Où sont ces moyens où on en a? Où parle na arabam? Où parle le Karim Fofana? Karim Bangura? Et Emilie Manfi Fara? Idi Amin. Moi, mes renominations. Et puis, où est-ce que l'on a dit? Mamadi wa li akeli ngwa ina mfala fahara me, lagine kabili ngara me. Il sera tué comme Sadiba. Radro, rara, rara, rala tongo. Ramanga ya na ya. Idi Amin profite fe na ankwi. Bala profite fe na ankwi. Amara profite fe na ankwi to. Et n'a rien bénéficié fait. C'était le pouvoir d'Ali. De Mariana Mberegama. Awaye Souarana de Media. Qu'il renonce, qu'il refuse à réintégrer au sein de l'armée. Il a été radié. Awaye Souarana. Assoissement de l'envoi Benaki. Idi Amin Ramata. Avenir Mouna Idi Amin. Idi Amin a tourné. Tant babé na Idi Amin et Tanasso, Soria, Idi Amin te et tant Emiliema. Amélie Lamara protégé, c'était Ali et Suleiman, le consort. Ou ethnocentrisme, ya, Massé la Guinée. Vous êtes là à voler de l'argent aujourd'hui grâce à lui. Il t'a Idi Amin. Et Alphan Bari, il est évacué grâce à lui. Et tant. Toi, tu penses que, étant un enfant, la Guinée est un tu penses que la Guinée est un peu plus grande? Il n'y a pas de barre à lire, à la barre à bosse, il n'y a pas de mot. Ou à sa gueule, ou à l'éphala. Ou à Ramin Meni, étant lors de ton voyage à Zerikure, à Gekedou, il y a Lito, il m'a Lito, il a torturé à le Rafa. Il faut avoir un peu de temps.
Ali, so somange naga ibe. Biri naga version nara nanga ntamunoma. Foro no si. No offer. Na offer luna. Ami onerema. Amu sefi mema. Ami pasa onerema. Commandant Ali, you off. Khali mama di milliard nan fima asoy rado anu nanan la. Ali, mama di khali alagine biri so ira afala mama di be itam lagine so man tang benan lagine la. J'ai été humilié, tué vivant. Mort vivant, grâce à la contribution des activistes, et n'arrêtant relaxé, on allait le tout tuer. L'homme le plus effrayant, le plus, c'est-à-dire, l'air inquiet, c'est d'éliminer Ali. On ferait un grand fait crème, fallait bien. Idi Amin Luna de jouer son programme. Car il est que la norme à la Guinée là. Anoma falinde amini bo kore nu mbok bo manoma la ginera na hamuno manara billah amuno la ginera moi je te dis non faut démissionner que là remou que là nous sommes le 6 décembre aujourd'hui l'an 2024 noté on va t'éliminer un exemple fima. Vous avez écouté le vieux Petit Barry, Mobanar, mais comme tout le monde l'appelle comme ça. Nous, Afala, et puis Manga Asali Rame. Il n'a fait rien là-bas, il dit Amin, il n'a fait rien là-bas, il dit Mouti. Il va finir là-bas, se dire trop. Oui. Et il protège, fait que se dire, il protège. Je sais de quoi je parle. Et tu penses, il n'a pas pour détruire les officiers sous et peul. Bête Yomara. Tu ne fais que nommer, rien nommer les officiers malinqués. Pourquoi? Et il vaut mieux que nous. Ils sont intelligents plus que nous. C'est pas possible, non. Emba Boré, la gendarmerie, Emba Rende, ça des retraites, alors que c'est Ek, né Nan Nabe, pour combattre ses propres parents pour toi. Et la pharmacie se dit, maman, même, fan, ça doit être un yarigny, oui. Afa, close, oui, ce semaine avait raison. Moi, ne me donne pas raison. Il rouille dans mon fond, il tang, il tang. Il sait, il a fait mes masques, toi. Parce que tu es incapable d'analyser tes propres problèmes. Il sent des moufans. C'est quand on va t'enlever, il faut comprendre ce que l'on a ça là. Maintenant, Hanonga, le vieux Barry, a fait ça. Il y a un exemple dans tout le et tu as problème dans la Guinée. Mamadi Bé, Idi Amin Bé, groupe Brim Bé. Il y a ce groupe qui est Faramane. Nama Moussa Dibala Milouma, retire-toi, Kela. Khaimou Kela. Et le problème qui est créé, il y a un traitement selon Moutamayama. Parce qu'on a un bon nom, mais ces gens-là, c'est des criminels, des personnes sans cœur, sans réflexion. Mais ils ont souci, non. Ni falak n'a oubé. D'abord, Ali, il a fait sa clé d'un an, il a fait sa clé, c'est quoi, non. Il a fait force spéciale. Il a fait, maman, dit ma grâce à ce qu'on a été.
il change l'enchanton. Parce que ça parlait partout. Et dangi blogueur ndema et rafala obare obare ogi. Skere nafala. Idiaminbe. Parce que nous avons fait la loi faille. Et la baragi borine m'a fait un fara. Alors on a le morsiri. Les caramba, Kamara, ils n'ont rien fait. N'a que le nadena. Mais Idi Amin, le système de ce couturé, il crée un appel qui fait son Oulumbala en Guinée. Mais on a même des. Quand il m'a dit mon rôle qui est un Oulumbala nana akui à 200%, il va faire la Guinée. Ah oui oui. Mais wallah, amuyo maura. Ça se mange dans oui. Le roi bourri nana ma fatale mona. Mon frère Yahouyat, Yahou. Et t'en fais soucier l'anglément. Frère, c'est pas compliqué. Il y a les officiers sous et Martofé. Il y a ma. Il fait l'an là-bas, fait la Guinée. Pour moi, comprends, faut mon temps. Non. Le malheur maintenant, aujourd'hui, de ce pays, c'est Idi Amin. Oui, oui. Ah non, Marie, c'est exagéré. Hein? Et tant. Il nous balance. Maintenant, Falama Alibe. Rien rouille, tu as intérêt. Wallahi, rien rouille. La fin, c'est la niya Marie. Il y a Siga. Il y a Thomas. Malik Kamara. Il y a Rekblé. Il faut rejeter. Fala na remuama. Imuama. Era tongo. E bonse sori na. Grâce à ton grand à ton oncle, on parle de Sekouba et Idi Amin aujourd'hui. Également Bala. Le jeune que fala Kamara. Ima yonama. Tiens, encore jeune. Laissez-les faire voler, tuer. Era comprend. Ara yoma non dinama. Ma message n'a pas fait mes non. Il y a des gens qui sont là. Nagayo Ali Akolo. Nagayo Suleiman Akolo. Antanare. Ah non. Radie. Il y a des pouvoirs. Mais il y a c'est pour l'éliminer. C'est autour de Togao. Tel Yaloyara, le premier secrétaire de l'OIA, Arasso, et Poche Soyi, et fait fomenter, et fera, et finit 8 ans, un enfant de 8 ans, et raté, et photo. C'est à Katouré. Dans ma colonne, on la Guinée na on vient faire monde la ramma quoi mon anan kolongwe la Guinée ke ma eti et yati des individus en bori kunakana au profit des intérêts personnels intérêt la Guinée car intérêt mara enafa alufu awai tang ali Kalimani ami ibonse mawori bir mukobi mi kere no ma 1 dollar fidima e ira dunia ya ila so sena iti na dunia ma bir na 2 dollar fima e bara balo e mo lan stoma menni c'est déjà officier don wora bare ne t'inquiète pas ibonse mawori mo wa cotiser 2 dollars chaque sous à partir de l'extérieur millionnaire be. Il doit y avoir. On lui met là, ouais. Il doit y avoir.
yena gore kwa ra yom magulina ma nga fala ibe yi pouvoir na niama la Guinée il taw wo mo tare fama wo mo wonye fama wo mo rade fama mo wana lu woyi nde wotana otan kela ngamide. Vous êtes qui? On a dégagé à été quick, c'est comme qu'on a tenu. Et nous, d'abord, à la influence, na Idi Amin. On a fait Idi Amin, on a fait Idi Amin. C'est comme qu'on a tenu parcours béni. C'était avec les jeunes ce soir. À Moukire Mali, Faté détruit. Nour Cham, Naga destruction, c'est ce qu'on a connaté. On a fait l'alphabet. Mais il y a un Yeti qui était influent, c'est qu'on a pris Magui. Oui. Adore maintenant que c'est lui le conseiller de la sécurité, Makolo, comment on dit ça? Il fait bien même à la Guinée. Itan Ali, tout le matin, ce sont les gens qui ont fait. Ils 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 Et il fallait me faire un coup d'état organisé fait et finir sur des marines des photos. Il fera. Il m'a rabéré un coup limité à l'ouvrir. Il t'a. Et puis, Guinée n'a pas de mère. T'en as oui. Awalai. Quand la 10 mois est un bel ribé. A tide yomuna. Il a ennemi singé nanaki. Il a Guinée. N'a pas de Tanaoui, il faut que mon père m'a un modèle, il a pause. C'est quoi? Nera mera, mera, c'est quoi? Mera, d'abord il a fait ma, il a ni ou na kana. Quand il dit moi un père, on a guess, on a dit brim bara brim fima brim togo, bye. C'est quoi ça? La femme la communique tous les jours avec Mamadi et les membres du gouvernement, des fucking gouvernement. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Faut pas. Il m'a pas fini d'avoir un intellectuel, un officier. Oui. Et je dis bien un officier. Tu vaux mieux que Idi Amin que les autres. Quel est mon yama qui a ton niveau? On a fait la bête. C'est des destructeurs, des menteurs, voleurs, bandits, criminels. Pourquoi tu veux joindre ce groupe-là? Non. Dans la oui. Inasso, on va te faire du mal. Et moi, Malik, et mon Thomas Lima Solan, pour te défendre, il faut leur dire non. Dis-nous, mané, ya, Ikeremara, la Guinée n'en souffre fait tout. La moindre Guinée souffre. Et puis, même la haute Guinée, la forêt matou, fena. Kay, il va mettre en assaut, fena, fait quoi? Non. Dans la radé. Ils veulent l'éliminer. Wallahi, ils offrent Tongo. C'est ce manga n'a pas eu un bon lima l'Igiama. Piège n'a pas terrible, comme l'a dit ma soeur. Piège n'a pas eu un bébou. N'a pas eu un sadibaran aïfangan fene. Il y a problème là tout. Et gars où il y a là. Il surveille la Guinée, mais il me dit, je sais de quoi je parle. Je me porte très bien. Wallahi, mon frère. Mais il y a Idi Amin.
Sosedeye na dunia mato qui sont prêts à vous affronter. Il y a armes ne ira. Mais nga fe kren fala be non dina na mouyi anu limania. Il y a un bar la Guinée mou mou diya mema. Et puis mouyi aussi porte na kai fang ronri. Nda. Les gens pensent que nous, nous sommes des niais ou bien des tocards comme vous. Vous faites du mal aux autres et vous êtes là à protéger vos enfants, vos familles, et y compris la communauté. C'est comme ça, un officier, le rôle d'un officier dans un pays comme ça. Ali, m'a fait que je fasse un crime à des colons. Mouma Warin, hein? C'est quoi ça? Allô, M. Bangoura? Allô? Oui. Oui. Alors, Barre Digo et Bangoura. Ah bah, ok, ok. Fari. C'est vraiment, nous, n'a ma point de vue, n'a pas fait de la part de la mini, de ministère de. Fari, c'est. Poste, n'a c'est un décret. Qu'elle fait non, au ministère. C'est un arrêté, ouais. Un arrêté au du ministère de la Défense, oui. Concernant le commandant Alia Makolo Ara, réintégration, oui, au sein de l'armée guinéenne. Oui. Alors, n'a ma point de vue fifé, nanama. En tout cas, n'engage que moi. Mais à point de vue fifé, là, direct Nike. Oui, non, direct Nike. Direct. Mais attendez, on est contre. Bon, maintenant, si vous n'avez rien à dire pour le moment, je vais vous revenir après le direct. Non, mais écoutez, moi je pense que c'est la vérité qui a triomphé. Oui. C'est tout, parce que il faut pas, c'est un message que Mamadi a envoyé vers nous, et moi, je sais que il devrait comprendre ça dès le départ. C'est maintenant qu'il a compris. Tant mieux. Il est aussi... Bon, c'est sa carrière. Et les gens qui ont fait ça, qui les ont tous manipulés, parce que c'est ce qu'il faut dire, ce sont ces tenants de PDG-là. Moi, j'ai toujours dit à Mamadi, hey, nous, on n'avons rien contre vous. Au départ, tout le monde voulait que vraiment que votre mission-là réussisse. Sauf les gens que tu as approchés et qui ont pourri cette transition. C'est ça la vérité. Les gens ne sont pas venus pour servir le pays, ils sont venus pour se servir, pour régler des comptes. Et ils en ont fait. Et ça a été le tour. On ne sait pas servir ton pays pour régler des comptes personnels. Tu veux laisser ton nom dans l'histoire, il faut travailler. Mais il a travaillé avec les gens qui étaient déjà avec Alpha. Mais c'est parce que tout simplement, ils sont de la même région. Ils sont venus, ils ont fait croire que c'est une affaire de trucs. C'est les Comorans, les autres là, qui ont gâté tout le pouvoir. Ce sont eux qui ont gâté le pouvoir de Dadis, ainsi de suite. Aujourd'hui, regardez par exemple, au moment où le pays est en crise presque, ils sont en train de dire, oui, il faut monétaire international. Le Fonds monétaire international qui va organiser une conférence à l'Université de la Comté de Sonfonia, mais c'est faux. Mais au lieu de trouver solution au problème des Guinéens, et essayer d'afficher la sérénité et de travailler, mais tu es en train de faire de la campagne déguisée. Ça ne marchera pas. Un ministre de l'économie et des finances, ou bien un ministre du budget, vous devez être dans votre bureau et travailler, faire bouger les dossiers. Chercher les voies et moyens pour essayer au moins d'alléger la souffrance des Guinéens. Mais vous faites des conférences ainsi de suite, tout ça, c'est quoi? C'est parce que vous avez, vos frigos sont remplis, mais vous avez de quoi manger, et vous avez tout. Mais alors, le peuple est là. Tout ça, ils n'ont pas rendu service à Mamadi, et pourtant ils sont payés avec notre argent. Ils ne travaillent pas. Quelle conférence? Mais il faut monétaire international, quelle conférence? C'est du pipeau. C'est du pipeau. Comora est en train de faire du maquillage, de la diversion, faire semblant de travailler ainsi de suite. Il ne travaille pas. Le problème de la Guinée, il faut respecter notre peuple
et respecter nos lois. Personne ne peut nous respecter si on ne respecte pas nos textes. Ils ont poussé Mamadi à violer la charte. Aujourd'hui, il est dans la merde. C'est ça la vérité. Et personne ne peut l'aider. Tout ce qu'il peut faire maintenant aujourd'hui, c'est de prendre tous ces gens-là, Idi Amin, Bala et tous ces gens-là, qui ont tous ceux qui ont mis le pays à terre. S'il ne le fait pas, c'est le peuple qui va réagir contre lui. Et très bientôt, moi je le dis, c'est maintenant que les démagogues-là, il n'a qu'à les débarquer, il est temps maintenant. Voilà. Ils ont fait souffrir la population. Ils ont donné des marchés gré à gré. Ils se sont servis. Le pays est bloqué. Qui ? C'est la vérité. Faut pas aller loin. Et quand c'est le cancer, il faut un cancérologue. Faut pas tâtonner. Voilà. Il vous sait la rencontre, nous, normal. La démagogie ne peut pas continuer un pays. Non. Voilà. Et Barapalebe, c'est Idi Amin qui a foutu son pouvoir. Et comme il a pris comme son mentor, aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a mis le pays à terre. C'est lui. Par sa haine et sa vengeance avec les Madikins et les Kouyaté et autres là. Maintenant, tout le monde commence à le lâcher. Voilà. Maintenant, on le dit maintenant, oui, parce que mais qui a organisé cette bataille? Qui l'a organisé? Ce premier secrétaire général de la présence, ouais. Avec la bénédiction de qui? De ces gens-là, ils sont connus. Ils devraient les suspendre. C'est en train de le dire. Ils devraient les suspendre de leur fonction. Voilà. Ils n'ont pas pris des dispositions nécessaires de faire leur travail. Il doit le faire. Voilà. Un chef Ramaraba, au lieu de prendre les pauvres gens, arrêter les gens, ce sont ces gens-là que tu dois arrêter. Ils n'ont qu'à aller payer l'argent qu'ils ont volé au contribuable. C'est tout. Mais pourquoi? Mais tu les caresses. Et puis, ceux qui sont malhonnêtes, ils sont couverts par le système. Ceux qui sont honnêtes, vous les faites humilier. Au cas d'Alia, et une bonne chose. Parce que et sa carrière, voilà. Et les gens qui l'ont sali, aujourd'hui, ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'ils avaient ça sur leur conscience. Et Mamadi aussi cherchait des voies du moins pour sortir de ça. Parce qu'il a compris. Il a compris que tu ne peux pas. Il y a des choses, Dieu même ne te pardonnera pas. Ouais. On lui a dit. Mais parce que nous, on ne l'aime pas. Non. Moi, je n'ai jamais. D'abord, il me respecte. Mais c'est mon caractère. Et je dis ce que je pense à qui que ce soit. Mais moi, tout ce que nous avons dit, il a vu. Nous ne sommes pas des charlatans. Hein. Nous sommes des consultants. Tout ce qu'on lui a dit, il a vu. Et s'il nous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'est pas venu pour dire que Sidi ne peut pas être candidat. Sidi ne peut pas être candidat. Et ceci, cela. Avant, c'est ceci. Avant, c'est cela. Ce qu'ils font, hein, aujourd'hui, ils ont créé encore des crises au niveau du barreau. Partout. Regardez aujourd'hui comment le pays est, avec des faux décrets, hein, qu'ils ont fait, ils ont falsifié. Les gens comme ça peuvent te servir, toi? Non. Quand tu veux être crédible, il faut te faire accompagner par des hommes crédibles. Et puis un chef, pour ne pas avoir de complexe, il faut toujours prendre les meilleurs qui vont t'entourer. La présence n'est pas une chambre pour les malfrats. Voilà. La défense n'est pas là-bas pour recycler ce qui fume de chambre indienne. C'est pas possible. Si vous le faites, vous avez décrédibilisé votre armée, ainsi de suite. L'armée, c'est une référence. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quelqu'un de fatigué tout le monde, ainsi de suite. Tu as pris ton manteau, et puis qu'il est rentré en Guinée, c'est lui qui a foutu ton pouvoir. Avec la corruption à la clé. Aujourd'hui, tout est bloqué, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Voilà. C'est ce que le président Sima t'a dit. Faut que l'administration s'éloigne des campagnes là. L'administration doit servir, les fonctionnaires doivent travailler pour l'État. Si vous voulez maintenant faire des campagnes là, mais créer des partis politiques, mais les gens là, ils n'ont qu'à travailler. Bâtiment bâti, ainsi de suite. C'est pas eux qui ont créé des problèmes comme ça. On t'avait dit. Il y a une affaire. C'est eux qui ont pourri ton pouvoir. Maintenant, nous, la solution, il faut les demander des comptes. Il faut les suspendre tous. Et tu reviens avec ton unité, et ainsi de suite. Celui qui n'est pas content, mais tu le mets aux arrêts. Pourquoi? On ne va pas avec le pouvoir. Maintenant, tu les as caressés et ils t'ont poignardé. Donc, c'est fini. L'affaire des tueries, là, tout le monde va avoir ça sous sa conscience.
et particulièrement vous, parce que c'est clair, à votre, je vous ai toujours prévenu, les gens là qui ont foutu le pouvoir de Dadis, ils vont te faire un coup, un sale coup. Et voilà, ils t'ont éloigné des hommes bien, maintenant aujourd'hui vous êtes dans la merde. Et puis ils sont prêts à t'abandonner, à te lâcher maintenant, parce qu'ils ont tous changé maintenant leur disque, là, et leur logiciel. D'autant, il faut vraiment non, il faut rendre compte, il faut rendre compte. Mais, qui est-ce qui parle de ça là? Son gars, Faya Bruno, il n'était pas là-bas. Il était là-bas. Il n'était pas là-bas. Ah non, non. Bon. Tous les gars que tu as à côté de toi là, celui qui est à Sonap, mais son parrain, c'est Amétien Traoré, qui est l'ami intime de son père. Voilà, ton ex-ministre de l'économie et des finances. Ils prennent tous les casseroles, comme ils ne sont pas sortis. Et puis, il n'a pas de passeport, il est là. Et en attendant, il n'a pas de ramené. Vous avez tous les rapports. Il faut s'en servir. Voilà. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez partir. Et aujourd'hui, vous avez besoin des hommes crédibles pour une transition civile. Et c'est ça. Kaïma Rabat. Kaïma Rabat. Le 31 décembre, et le 6 mois de janvier, il y a Tomara Ndababa. Parce qu'ils ont fini de pourrir ton pouvoir. Maintenant, c'est eux encore qui vont dire à tout le monde, ah, Mouta Farada Bama, mais... Personne n'a rien dit. Et voilà, fallait follow. Oui. Quand Kouyatou te disait de gouverner par ordonnance, c'était de laisser la charte. C'est lui qui a commencé à te tromper. Oui. Voilà. Parce qu'ils sont habitués à ce pouvoir fort. Hein, ils ne sont pas humbles. Ils pensent que la Guinée, c'est leur propriété. Mais vous allez tous payer. Parce qu'on a bassin Krimouera Kyoki. Autant d'arrive en Nana, on a Mourambi. On a vu à la télé. Les gens qui disaient, les organisateurs sont connus. Il faut les suspendre tous. Prenez une décision pour les suspendre tous. Qui sont les organisateurs ainsi de suite. Et jusqu'à ce que la commission travaille. Et vous mettez les hommes crédibles dans la commission. Ils vont travailler. Si vous voulez même, vous montrer votre bonne foi. Il faut associer la communauté internationale. Pour l'enquête là. C'est ce qui va un jour vous blanchir. Mais si vous ne le faites pas. Parce que votre bonne foi, les gens peuvent apprécier. Mais ce qui a été fait. Les gens qui parlent là, ils disent que oui, je ne veux plus voir des panneaux. Mais ce n'est pas eux qui ont commencé à fabriquer ces panneaux-là. Hein? À coût de milliards. Aujourd'hui, et le travail de l'OGP ne sont même pas payés. Est-ce que c'est la démagogie? Ils commencent à dire oui. Ils sont venus pour pourrir ton pouvoir. Oui. C'est les envois et les sous-marins de Sokba Konati. Moi, il fallait des bémas, mais. Voilà. Ils m'ont pas ma colonie. Il y a un moment, il faut aller doucement. Maintenant, tu es allé doucement, maintenant, il est en train de voilà. Et maintenant, ils sont capables de dire que tu es en train. Et Sekouba a été le premier à dire à Mamadi tu dois faire 5 ans. De renvoyer, de ne pas accepter le dialogue, de ne pas accepter même avec la communauté internationale. Mais il a fait. Et aujourd'hui, il a foutu son pouvoir. Maintenant, c'est le premier encore. Trump a va se lever, voilà, Mouta a parlé. Parce que c'est les mêmes. Voilà. Ils ont eu des passeports diplomatiques, ils ont eu de l'argent et ils ont mis leur tête. L'affaire de 800 milliards de la douane, là, il faut les arrêter tous. Ils n'ont qu'à payer. Non, mais Amangay, Kema Rabat. Kema Rabat. Des actions fortes. Kema Rabat. Un jour, vous allez regretter. Moi, on vous conseille à cause de la Guinée. Et moi, je t'ai toujours dit, Naré, tu seras mon futur client. Mais je te conseille aussi. Parce que. Il y a eu de l'affection naturelle pour toi, mais vous n'avez pas, on vous a, vous êtes parti sur un terrain de PDG, ça m'a permis de m'éloigner complètement de vous. Et c'est ça la vérité. Ah non. Je suis comme ça, je ne suis pas hypocrite. Hein? Voilà. Et je savais que ton agent glissaire là, et tous ces gens-là, c'est des corrompus. Voilà. Maintenant, les gens que tu as envoyés au niveau de TNT, qui ont bouffé ton argent, l'argent de la Guinée, pardon, ils sont en train de dire aujourd'hui que c'est des business. Maintenant, il n'y a plus de business. Et que ce que Dansa est en train de faire, des milliards et des milliards, aussi comme pour des missions qui sont insignifiantes. Ces missions n'ont aucun impact sur la vie de la Guinée. Rien. L'argent-là pouvait servir à quoi? Ça peut servir à la construction des écoles. Aujourd'hui, avec l'argent-là, vous aurez pu quand même construire beaucoup d'écoles dans toutes les régions. Alors, on vous a mis, parce qu'ils sont tous des businessmen, ils sont là-bas pour ça. Voilà, démagogie, et ils ne pourront jamais faire leur travail, et les premiers à se présenter à la caisse, parce qu'ils n'ont jamais travaillé dignement dans leur vie. Voilà. Ces bandeurs de visa, là. Ils sont décrédibilisés toutes nos institutions.
Maintenant, comme vous aussi, vous êtes parti avec eux, parce qu'ils sont avec une certaine presse qui les présente comme les papes en Guinée. Voilà. À cause des miettes. Maintenant, tout est foutu. Et c'est ça, la Guinée est bloquée. Et je vous dis, la Guinée est bloquée. Voilà, il n'y a pas d'argent. On vous a dit, plus la transition dure, plus ça devient compliqué. Voilà. Tu allais être l'homme le plus et respecté de l'Afrique. Après avoir fait une transition paisible et inclusive, ainsi de suite. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes où? On a des problèmes. Voilà. C'est ça. Maintenant. Et moi, ce que je vais. Oui. Yakolo, ka na problème modèle indé na beha ya ni soni talangalima. Maintenant, question bébé nambe, mais keren bansan nan intéressé. Ba on bala to ali ra fena fena ndang fe fena ndang ga o ma wonde na to. Mais est-ce que c'est pas une piège? C'est pas quelque chose qu'on est un piège, un piège de Moïse qu'on peut pour détruire ce petit définitivement se débarrasser de non, il faut pas. Il ne faut pas. Non. Tu veux te dire quelque chose? Oui. Hey, il est envoyé, il est réintégré, il est envoyé à son poste. Franchement, hein, c'est une décision que j'ai saluée. Okay. Et je sais que c'est parce qu'ils se sont tous rendus compte à un moment qu'ils l'ont, c'est-à-dire, ils l'ont accusé gratuitement. Vous savez, à la Mourima, Mamadi, là où il est aujourd'hui, Billahi Wallahi Tallahi, il n'a pas gouverné la Guinée avec les gens avec lesquels il a pris le pouvoir. Ah. C'est les autres qui sont venus. N'a rien arrivé. On a réussi à vendre les postes et à mettre des hommes qui ont fait échouer Alpha. Qui ont acheté des postes. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas d'expérience, même s'il était de mauvaise foi. Moi, je prends, si je n'ai pas de preuve de quelque chose, mais vers l'affaire là, ce sont ces sirènes-là. Hein, ils l'ont entouré. Ils ont fait croire qu'il est le Messie. Il est ceci, il est cela. Maintenant, il a tout oublié. Et ces gens-là se sont sucrés. Mais vrai. Maintenant, ils ont pris l'argent. Maintenant, ils sont prêts à lui faire face. Voilà. Parce que ce qui s'est passé à Dérékoré n'était pas là-bas. Ce qui s'est passé à Dérékoré, qui l'a initié? Qui a proposé? Bon, les gens qui ont mis leur nom. Et nous, on a vu des organisateurs. C'est passé à la télé. On a dit les organisateurs sont ces gens-là. Et ces organisateurs-là doivent être suspendus. Voilà. C'est tout. Il n'a qu'à les suspendre. Quand tu veux organiser quelque chose, tu prends toutes les dispositions. Parce que même son ministre et son patron de la gendarmerie pourrait dire non, la sécurité n'est pas. Oh, vous allez mettre les gens. Hein? Ça ne peut pas un stade, ça. C'est un terrain pour le tuer. Voilà. Et puis d'ailleurs, le projet là, c'était le fameux projet des fêtes tournantes. Comme il y a Adon. Mais Bouema Kondé est là. Et qui ont bouffé cet argent là. C'est-à-dire avec mon beau Calo, qui avait le marché. L'architecte. Et regarde. Il nous a la technique de Rabat et Rabat, là. Vous êtes venu pour quoi? Au pouvoir. C'était pour sanctionner les gens là. C'était pour dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Mais si vous entourez de ces gens-là, Alpha Boy, voilà, les frustrés d'Alpha, parce que c'est des gens qu'Alpha n'a jamais pris pour les mettre dans son gouvernement. Parce qu'ils étaient des médiocres. Maintenant, ce sont ces gens-là qui sont venus se recycler. Maintenant, pour pourrir son truc, parce qu'ils étaient tous la ceinture de c'est quoi? Voilà, c'est lui qui a envoyé le gars, sécurité sociale partout, les chiens qui sont dans les... Parce que partout, il y a l'argent, c'est là-bas où il envoie les gens. Voilà, aujourd'hui, et il a pourri le système. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'il faut corriger. À commencer par eux. Voilà. Parce que la vérité est que le bilan est très très lourd. Le bilan est très très lourd. Voilà. Maintenant, moi, je n'accuse personne. Maître Abbas. Oui. Le seul homme de confiance pour Malick Camara, c'est Fode Abbas Bangoura. Je vais te dire clairement. Merci, mon frère. C'est pourquoi, quand inquiétude n'est pas, comment gérer la partie,
directement, je consulte, je contacte mon avocat. C'est-à-dire, il faut que tu reviennes sur le cas de d'Ali. Pourquoi? Non, pas la pub. J'insiste. Est-ce que ce n'est pas un piège? Parce que on a vu. Attends seulement, je vais poser la question. On a vu le cas de Tel Yalo. Même hier, Petit Barry parlait de ce qu'on a fait pour éliminer Teli. Et les choses se ressemblent. Mais avec vous, parce que vous êtes un homme de confiance pour moi, hein, je vous dis, sans la démagogie, parce que moi, pour croire à une personne, ça ne sera c'est pas facile chez moi. Mais je vous dis clairement, j'ai confiance en monsieur Bangoura. Alors, une situation modèlement, il faut qu'on rediscute. On a analysé, parce qu'on a vu Teli, on a vu Sadiba, et à tant d'autres qu'on a préparé les faux coups pour les éliminer. Il faut encore revenir sur ça, pour que ça, c'est seulement un témoignage. Parce que Mouguer Ladara. Ah, non, il faut le faire bien que nous. Oui. Le contexte n'est pas le même. Et puis, Alia, ils l'ont accusé de cas de vol. Oui. Et après, ils ont, soi-disant vol, eux-mêmes, ils ont volé. Et voilà. Et ils ont compris que le dossier ne tenait pas. Oui. Ils ont commenté un autre coup. Oui. Voilà. Ils sont allés le cueillir et voilà. Et après, ils ont dit qu'il était impliqué dans une tata. Tout ça, c'était du faux. Merci. Mais Alia a un atout. Il n'a jamais été mêlé de la gestion des trois années de pouvoir de Mamadi. Hein? Deuxièmement, il a toujours gardé son amitié avec Mamadi. Et puis, sa fidélité, c'est fini. Mais là, Mamadi, aujourd'hui, hein, il a géré avec qui? Mais il était lui qui s'est fait entourer par ses ennemis, les gens qui voulaient sa place. Il les a pris comme conseiller. Mais Ali, qu'est-ce qu'il a? Il est militaire, il est guinéen aussi. Et puis, il a ses amis, il a ses camarades de promotion dans l'armée. Ils veulent le protéger. Vous pensez que, attendez, c'était lui, était civil. Parler de complot comme ça, c'est fini. On ne peut plus envoyer un enfant nouveau-né, un enfant de 13 ans, et on lui donne un pistolet, il n'y a pas de truc. Non, mon frère, ça ne se fait plus au 21e siècle. Faut qu'on... Quand? Voilà. Ils ne savent même pas monter les complots. Ils ont dit que c'est Ali qui a touché. Mais Ali a pris quoi? À cette prière. Mais c'est faux. Maman dit, c'est. Il sait, je le sais. Ali n'a pas touché ça. Ils ont dit que c'est une femme. Que ce sont ces éléments qui ont pris ça. Et au niveau du 8 novembre, les éléments là sont où? La dame là est où? Une dame qui se promène avec combien d'argent, l'équivalent de combien de millions? Mais c'est faux. Tout ça, c'est dans les imaginations de Barack Samora. Parce qu'à ce moment-là, il fallait écarter ces jeunes-là pour venir maintenant prendre la transition en otage, parce que c'est des corrompus. Voilà. Et ils travaillaient pour qui? Ils travaillaient pour un système, et le même système. Voilà. Même les avocats qui ont, qui ont défendu l'autre-là, comment il s'appelle? Si on n'avait pas écarté ces avocats-là, Ali allait se retrouver dans le problème. Quand Viver l'a fait, il y a certains qui se disaient, non, nous sommes ces avocats, mais c'était quoi? C'est des gens qui étaient en mission pour l'enfoncer. Arrêtez. On a prouvé que l'argent, ceux qui ont pris l'argent, Ali n'était pas là-bas. La dame n'existe pas. Mamadi connaît tout ça. Très bien. Et aujourd'hui, il a voulu même le protéger parce que s'il l'avait exposé, ils allaient le faire du mal. Alors aujourd'hui, moi, ça ne m'inquiète même pas. D'accord. Ça, je n'ai pas de doute pour ça. Voilà. J'ai des doutes pour où? C'est-à-dire, les Bala Samoura et autres là ne devraient pas être là-bas. Maman El Fabari, Maman El devrait le faire venir aujourd'hui. Très bien. Voilà. Et le mettre à la gendarmerie. Et de réhabiliter le monsieur là. Il doit le faire. Il a été victime de l'injustice. On ne peut pas réparer une injustice et laisser une autre injustice. C'est pas possible. C'est pas parce que l'autre, c'est notre parent. Moi, j'ai dit à Mamadi, carrément, à partir du moment que tu t'appelles ça à mon frère, Ali, hein, avec tout le respect que je vous dois, je peux pas travailler avec lui. Parce que Amara, moi, je peux pas travailler avec Amara. C'est pas possible. Parce que c'est pas quelqu'un qui a de la parole. Il n'a pas de parole. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain, il se réunit. C'est son caractère.
Et puis ça n'allait pas entre Mamadi et Amara. Amara a plombé ton pouvoir. C'est lui qui est allé en forêt. Il est l'un des organisateurs de ça. Si quelqu'un doit payer, il doit payer. On le suspend. C'est tout. Et suspendre les autres aussi. Il faut réhabiliter Mamad Al-Fabari. C'est un signal que tu dois envoyer aux autres communautés aussi. Parce que là, le monsieur a été victime de Bara Samora. Montage. Une affaire civile comme ça, vous prenez ça, vous en faites une affaire d'État pour casser l'un des murs de la gendarmerie. Oui. Parce que tout simplement, toi, tu veux des galons. Oh, attends, Franco, il faut arrêter ça, toi aussi. Bala, qu'est-ce qu'il peut faire? Si Bala finit de tuer, d'écarter nos meilleurs, mais en cas de problème en Guinée, et notre État major va travailler comment? Lui, est-ce qu'il peut faire un plan de guerre? Il peut faire même un plan de maintien d'ordre? La preuve qu'il ne peut même pas faire de maintien d'ordre. Regardez, par exemple, avec les civils paniqués, ils ont envoyé des gaz lacrymogènes là-bas, il y a combien de morts? Le directeur national de la police de la sécurité? Dis donc, je vous dis, Kaimou, c'est une rencontre de Makoulou. On ne peut pas prendre quelqu'un un beau matin, il s'habille en soyant à la pilotée. À Mounoma, à Maharangi, à Makoulou. Il faut faire revenir Alpha. Alpha Bari. Tu l'amènes. On a vu comment le temps à la mais il a fait des maintiens d'ordre. Sans Kamoufou Kariboula, Kaimouna Tomanou. Oui, oh non. Il a géré bien les gens. Non, c'est un intellectuel. Il connaît. Non, mais c'est un professionnel. C'est un professionnel, du moins, s'il faut. Mais il faut le faire venir. Vous savez, qu'est-ce qui a foutu ce pays? Si ce n'est pas ton parent, tu ne le défends pas. Il faut défendre les meilleurs. Oui. Faut défendre ceux qui sont bien. Il faut défendre ceux qui peuvent nous aider pour que ce pays-là avance. Oui. Avec un bon médecin. Hein, avec un bon médecin, hein, il va soigner beaucoup de personnes et beaucoup de vies humaines pour le faire venir. Voilà. Oui. Tout ça, c'est le dossier monté de toutes pièces. Ali n'a rien à craindre. Si ce n'était pas Mamadi, mais Bala Samora sait qu'il n'a pas les mêmes formations qu'Ali. Il le sait. Mais attendez. Non. Mais Anoma, reste-toi vers ça. Et Yamama. Non, maman, ça c'est des brigands. Ça, c'est des gens qui ont été formés. Et bien formés, ils ont fait l'académie. Il a fait quelle académie, Bala Samora? Académie de. C'est lui qui a donné le mauvais visage de cette transition. À cette transition. Voilà. Le truc qu'on a saisi, la drogue qu'on a saisie à Kouré Mali. Les Maliens ont exhibé ça. C'était pour qui? C'était pour eux. La drogue qu'on a saisie. C'était pour eux. Le balai. Voilà. Et pourtant, l'actuel agent judiciaire, ils sont partis, ils ont dit qu'ils ont incinéré ça. Oh, ça a été incinéré où? N'importe où. Quoi? Il faut les débarquer tous. Ils ont mis des gens, tous ceux qui se passent autour de Mamadi, les gens sont au courant. On a mis leurs pions autour de vous et ils ont fini de pourrir votre. Vous n'aurez rien comme résultat. Et maintenant, là, c'est à vous de choisir. Si vous voulez aller seul, mais allez-y. Mais si vous voulez aller, mais il faut nettoyer. Voilà. Et c'est sur ton acte maintenant que les Guinéens vont te juger. C'est pas sur la parole. Hein. La rectification. Les gens ne vont plus te prendre. Une acte n'a imposé ma parole. C'est ce que les gens vont vous croire. Pour dire que tu ne seras pas candidat, il faut poser des actes. Il faut renvoyer tous ces gens-là. Ils sont en train de faire de la mamaya pour vous là. Il faut les renvoyer tous. Oui. Et vous prenez la Guinée et vous allez voir et vous mettez un gouvernement d'une nation de transition en place. Direct. Vous allez voir. Là, concertez les autres là. Pour essayer de sauver la Guinée pour ne pas tirer la guerre civile. Parce que ce que c'est lui a dit, il a raison. Il va faire sortir, il s'est trop patienté, il va faire sortir les gens. Les autres ont dit, ils ont parfaitement raison. Merci. Une bonne partie des Guinéens ne peut pas nous prendre en otage. Les Comoras vivent là-bas comme des princes. Oui. C'est des corrompus. Des corrompus, des criminels, bandits. Voilà. Ça. Voilà. Sont maintenant. Maintenant, comment les laisser? Ils ont pris. Comment est le plus riche aujourd'hui que même l'État? C'est le plus riche en Guinée. Voilà. Non, mais il a pris cette richesse où? En Guinée? Et il travaille à la fonction de. Et il a profité de toutes les transitions. Quel fait Friama? Comme il n'a qu'à rendre compte. Oui. Fouyaté n'a qu'à rendre compte. La Guinée a besoin de l'argent. Oui. Et nos tonnes d'or là, c'est terminé. Avec les c'est des dossiers comme ça. 10 millions. Il faut mettre la table. Et vous nommez un autre agent judiciaire de l'État. Voilà.
On nommait un autre agent du ministère de l'État, vous nommez. Vous, tous ces gens-là, quand il y a le ministre de la Justice qui dit que, bon, quand vous envoyez des trucs, mais attendez, c'est ton rôle, ça. Pourquoi les gens, donnez des informations qui s'est passé. Dès que vous avez donné les informations là, il n'y aura plus de fake news. Pourquoi? Il y a des fausses informations parce que la presse n'existe pas. Pourquoi? La liberté n'est pas respectée. Vous le savez pourquoi? Et puis vous êtes en train de dire des trucs comme ça là. La barrière est poursuivie et tu vas poursuivre les gens qui vont dire, mais ils ont raison de dire s'il y a 50 morts, 60 morts, mais c'est leur. Mais ils ont le droit de le dire parce qu'ils n'ont pas des informations. Yeah. Dans les conditions normales, c'est le protocole du gouvernement qui doit donner des statistiques ainsi de suite. Très dans bien. Tous les pays du monde. Oui. C'est la transparence. Et vous n'êtes pas de transparence et vous voulez dire quoi? Alors, je le vois quand il était procureur, général à Cancan. C'est pas lui qui a dit que c'est l'opposition, les charniers qui sont à Zérecoré là-bas, en forêt, que c'est l'opposition qui a fait rentrer les gens. Vous pensez qu'on a oublié? Non, attendez. Ce qui se passe dans ce pays, c'est un manque de responsabilité totale. Je te dis, l'homme nouveau qu'on a fabriqué, quand il est à cause de son poste, il peut faire tout. Et c'est des gens comme ça. Il est étonnant là-bas, mais je te dis que mais tu ne peux pas comprendre. Ils cherchent tous l'argent. Mais ils m'ont nommé. Parce qu'on ne peut pas gérer le pays avec des gens qui sont cupides. Ils veulent tous l'argent. Mais non, Moussa Rabadi, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Chacun cherche à se recycler, à revenir, à faire quoi, contre la démagogie. Mais les gens là-bas, ils ne connaissent même pas leur travail. Mais c'est quoi? Vous pensez qu'il faut un avocat pour redresser la justice? Et il faut un magistrat? Non. Non. Un ministre de la justice et un bon cadre pour redresser la justice qui n'est même pas avocat, et ainsi de suite avec des bons conseillers. C'est quoi tout ça? Voilà. Maintenant. Et. Oui. Non. Et à Colomb, on. Ntan. Inquiété de l'homme, c'est-à-dire, n'a rien inquiété fin de l'année, t'as l'anglement. Maintenant, t'es toujours sur le cas de d'Ali. Maintenant. Mara explication mais mara voyez maintenant non ça mon aouma y a colon qu'est-ce qu'a dit n'agé vous n'avez pas tenu mais qu'est-ce qu'a mené go caroma qui est-ce qu'a dit parce que il a gagné colon tambe qu'on a qui est-ce qu'a dit parce que n'a colon ibn Adam a n'agné ram mara gay n'a fira di qui soude n'a soude mené go ça on brille pas mané qu'on est capable maintenant vous n'avez ligne n'a mike faut on ba goro mirin den gilgine ko ina na ragal man ni gilmanen ana malik pedi araba madi nandeira akay ma gni fala amana rakoshi apre amana gbelengil la ama ko ne fala apre bon oui maintenant mutanga wayo mun no mona wal fe la gine nambe. Tout à fait. Individu. Dans la transparence. Dans la transparence. Oui. Ibn Adam a eu la machine à Wono Walde Umbora. Mais, à la dernière d'Arne, un défendu de Kobi. Namouma Sarama. Quand maman dit, et tout le monde dit, il faut dérader. Wallahi. La Guinée n'a pas mangé, mais il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Alco est un homme qui a fait la Guinée. Mais il faut arrêter à Mago. Naran Alpha Soto Aïsoto Mané. Naran Lansana Soto Aïsoto Mané. Groupe Naran na la Guinée. Le groupe de Comor, des Comoras et autres là. Tchèchema Nia Mamira Mangarani. Il reçut né à Wari. Il faut mettre les anciens dignitaires là, qu'on vient de citer là. Et arrêter. N'tatne Gaya Kosofoda Kloturi. Lansana Kouyatera, groupe arrêté. Il faut les arrêter. Tous. Bring. Madame, Amara Bay Isana Bala remplacé Mamadou Alpha Barra, ma colon à mon colon, Anuna Moir lui-même en assurité, Ibara libéré, remplacera, c'est un professionnel. Idi Amin a sanctionné, c'est un vieux Koumi, Abana. Dans ça, Arati, il faut dissoudre le Senti, Abana, Ibana. Agent judiciaire, Abana, Rima Ba, il a gagné tout maïa. Il n'est pas du week-end, ma. Ce sont des femmes, un avocat,
anun dunia la Guinée bili ya toma sona mul la Guinée ma fin di makina so so mangé non rubéné mais rien refa mourir amri. Il faut pas oublier hein, les gens qui ont détourné les 800 milliards au niveau de la douane, il faut les relever, les suspendre et les mettre à la disposition de la justice. C'est tout. Et puis au ministère de la justice, faut nommer un procureur général. Oui. Un procureur général. Bon, qui peut vraiment prendre des dossiers. Je vous ai toujours dit, dès le départ, je vous ai dit, tout ce qui est la Guinée, n'a pas la baie. Par exemple, Tongo, Wali, la compétence là. Moi, je n'ai jamais dit de nommer un truc ainsi de suite. Non. Moi, je l'ai dit, par exemple, le cas de Dramé. Je dis, écoute, Réfamirina Tongo, celui qui est compétent, mais les compétences. Parce qu'en étant à tromper, en a retourné droit par la décès qu'on a été ramené. En a retourné, on a sanctionné. Mais vous mettez les moyens à sa disposition. Oui. Même quand quelqu'un est à la retraite. Vous pouvez le faire appeler si l'État a besoin de lui. Mettez les gens à la place qu'il faut. Sortons dans cette histoire d'ethnie-là. Si vous ne quittez pas dans cette histoire d'ethnie, vous allez le pays là-bas sombrer et bientôt. Ah oui, ok, là, mettez un expert comptable là-bas. Ouais. Ne mettez pas un truc. Mettez un expert comptable qui est très bien, qui peut vraiment mais un bon et gestionnaire chevronné. Après maintenant, entouré des conseils, vous allez voir tout à l'heure, le respect, ça va changer. Mais quand vous prenez les douaniers là, qui sont d'habitude de monter des chiffres et de faire des trucs, vous ne verrez rien de clair. Parce que, et puis une société de transit, là, comme certains magistrats qui ont des cabinets aussi, ça ne marchera pas. Je vous ai toujours dit, vous êtes venu pour casser ce système et vous avez renforcé le système et le système qui va avoir raison de vous. Ouais. Et ça fait bientôt. Et pour prendre des mesures. Maintenant, aucun Guinéen ne va vous croire sur parole. Je vous le dis aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont mis votre parole en doute. Oui. Oui. Maintenant, c'est les actes que vous allez poser qui va rassurer les gens. Ah oui, t'as bien posé. Oui. Voilà. C'est ça. Et poser les actes, vous allez voir tout à l'heure si les Guinéens ne vont pas venir. Mais entre ce que vous dites et ce que vous faites, s'il y a un décalage, c'est ce qu'ils ont fait à tout le monde. Vous envoyez des décrets. Vous avez signé des décrets purement régionalistes, ethniques, ainsi de suite. Et puis vous avez donné trop de pouvoir au PDG. Et aujourd'hui, ce sont ces PDG-là qui sont en train de vous combattre maintenant. Ils ont commencé à dire. Parce qu'ils ont réussi encore à faire le même 28 septembre. Et maintenant, ils ont fait autrement. Parce que le cas de Zéro Corée, tout le monde en parle en Europe ici. Et c'est pas bien. Faites ça et vous nommez un ambassadeur à Paris ici. Vous nommez un diplomate sobrené qui va essayer, sinon vous ne vous en sortirez pas. Voilà. Et voilà. Les Guinéens qui sont là, ils souffrent. Ils n'ont pas de passeport. Là-bas, c'est devenu marché à Baria. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et si vous ne le faites pas, nous, on va vous conseiller. Quand on dit qu'on ne vous conseille pas, et pourtant, voilà. Et les dossiers qui sont là-bas, les dossiers de crime, nommer un autre procureur à Conakry 2. Voilà. Et vous allez assainir la Cour suprême là. Dans certains qui sont partis à la retraite, il faut les faire appeler. Si vous voulez, on peut vous donner leur nom. Appelez-les. Les magistrats, il y a certains magistrats qui sont partis à la retraite, ils sont très bien. Il faut les faire venir. Ils vont t'aider. Ils vont vous aider comme conseiller. À Thomas et à Kotra, la Guinée Mouskama. Et l'administration, il faut sortir une note de service. Aucun membre de l'administration, même le Premier ministre, ne doit pas faire maintenant campagne. Finish. Chacun n'a qu'à s'occuper de son travail. Voilà. Pour la Guinée d'abord, jusqu'à ce que vous dialoguez avec les autres opposants pour essayer de trouver comment on peut gérer la transition là pour éviter une guerre civile en Guinée. Parce que les caisses sont vides. Hein. On n'avait plus d'argent là-bas. Voilà. Et ils sont allés même jusqu'à prendre des impôts par anticipation. Je vous dis, hein. Voilà. Alors, ils sont pris. Ils ont avec pris des taxes par anticipation. C'est-à-dire qu'en 2025, ils ont poussé les miniers à payer les taxes, ainsi de suite. Alors, tout ça, vous ne le savez pas. Voilà. Les gens qui sont capables de falsifier les décrets, ils ne rentrent pas compte, mais ils sont capables de faire tout. Il faut assainir votre entourage. On ne peut pas gérer la présidence avec la médiocrité. Non, non, non. C'est pas possible. Ok, mon frère. On peut appeler à des hommes expérience
qui vont venir vers vous, qui vont vous aider. Regardez en Roumanie tout à l'heure là, les élections, c'est la Cour constitutionnelle qui a annulé les élections. C'est tout. Mais c'est comme ça, les juges responsables pour ne pas mettre le pays à feu et à sang. Nanar, prenez Sima, vous le nommez conseiller spécial autour de vous, il va vous conseiller, prenez Sima. Il va vous conseiller. Vous allez voir tout à l'heure. C'est la ratification. Pour le nom du conseiller spécial, vous allez voir tout à l'heure si la ville ne va pas marcher. Et vous l'écoutez. Je vous le dis, hein, et vous le protégez voilà, aussi. Parce qu'ils sont capables de tout. Hein. Voilà. Vous assurez sa sécurité et vous le logez dans une des villes là-bas. Et puis, il va travailler pour vous. Pour la Guinée. Vous allez voir tout à l'heure si les choses ne vont pas changer. Il peut même réformer la justice à partir de là-bas. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de moi. Il connaît tous ces magistrats-là. Mais celui que vous avez mis là, ministre de la Justice, ne peut rien faire. Je vous dis, l'ancien système, ça ne vous a, ça ne peut pas vous amener. Et ce que moi je vous donne comme conseil, c'est ça. Merci si beaucoup. Si vous pouvez le faire, je l'ai dit hein, devant toute la Guinée. Et je suis allé dramer comme procureur général. Mais le cancan, pour gérer ce dossier, parce que c'est le dossier de Zéré Corée, il va gérer. Il est compétent, vous mettez tous les moyens à sa disposition. Vous allez voir. Voilà. Il faut le faire venir et vous le nommer. Et il va travailler la commission d'enquête que vous allez mettre en place. Vous assurez sa sécurité, ainsi de suite. Vous allez voir tout à l'heure si les choses ne vont pas changer. Vous prenez, on me suit là, Dissima, vous le nommez conseiller spécial à la présidence. Vous savez quoi qu'il a fait? Il a envoyé le billet là. Mais tout cas, vous ne pouvez pas le faire. Prenez des hommes qui sont de l'expérience. Pensez que Kaka qui est là-bas, qui le il n'arrive pas à raconter, la ville vous serait balfilé. Ma prenez. Et les hommes d'expérience. Ils sont maintenant proches de voilà. Il vous a toujours dit, il faut prendre une décision. Pour faire prendre une décision, aucun fonctionnaire n'a le droit maintenant de battre campagne. Voilà. Au nom de quoi que ce soit, ils n'ont qu'à s'occuper de leur poste, ils n'ont qu'à travailler. Et puis quand les gens là, ils sont tout le temps dans les mamayas, dans les tournois, dans le pays qui n'est même pas qualifié pour les soldes. Et puis il faut organiser des audits. Le ministère de sport là, il faut auditer ces ministères là. Il y a eu beaucoup de saignées. Il faut qu'on arrête un peu là. Il faut siffler la fin de la récréation. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui êtes handicapé. Je jure sur mon honneur. Et ça va être comme ça. Non, pas la ribanette. Il faut anticiper. Anticipe. Moi, je ne veux pas de pote. Il faut nommer les gens là. Non, il n'y a pas de ribanette. Non, mais il va y avoir ça ne va pas changer. Et puis, il faut demander, instruire aussi au ministre de la Justice de clarifier cette affaire de faux décret-là avec le barreau. Il faut quand même le payer. Il y a des rapports pour ça. C'est quelque chose. On ne peut pas remettre en cause ce que les jeunes ont fait. Leur agrément, c'est un droit acquis. Mais ceux qui ont été capables de faire des choses comme ça, là, il faut les identifier pour les montrer aux Guinéens. Voilà les gens qui ont falsifié le décret. Maintenant, c'est fini. Ils vont être sanctionnés et nous allons continuer. Parce que les gens qui ont été agréés, ils ont été agréés. C'est tout. On ne peut plus revenir sur ça parce que c'est un droit acquis. Mais ceux qui ont été capables de prendre un décret comme ça et falsifier, il faut les extraire du barreau. C'est comme ça. Et le bâtonnier, Maître Diop, je sais qu'il est en campagne, mais il doit faire ça. Voilà. Et en rapport avec le procureur général. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est pas bien. Ça commence à. Parce que tous les jours, vous êtes plainte contre eux. Et l'actif, les journalistes, ça va envenimer la chose parce qu'on va en parler. Ce que nous voyons là, c'est nous qui avons travaillé sur ce projet de décret, mais ça n'a jamais été signé. Je peux témoigner, ma main sur ma conscience. Voilà. Je ne suis pas en rapport avec eux, je ne sais pas, les stagiaires là, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Mais, par contre, le décret là, et Bachir Touré est là. Il a été le dernier ministre de la Justice, si je ne m'abuse de là, ça raconte. Mais demandez-le si ça a été signé. Mais vous êtes parti au secrétaire général du gouvernement, vous avez vu qu'il n'y a pas de traces. Mais s'il n'y a pas de traces d'un décret là-bas, et on a vu que la signature de compte a été falsifiée. Qui l'a fait? Il y a un secrétaire général. L'éternel secrétaire général au niveau de Barreau là-bas. Demandez-le. Oui. Il faut le demander. Mais c'est ça. Mais dis donc, comment vous pouvez. Celui qui a dénoncé. Après, vous voulez le poursuivre, et ceux qui sont dénoncés, s'ils sont coupables, mais ils n'ont qu'à reprendre. Ou bien la justice, elle est faite pour les autres, ou bien pas. Ce qui est fait là, c'est grâce. Vous m'avez dit un jour, on peut imiter votre signature aussi.
Comme vous avez dit que l'entrée compte, c'est votre père. Maintenant, voilà. Ça tient tout un militaire, ça tient tout a été imité. Il faut chercher à savoir. Ça, c'est des dossiers qui vont, hein, non seulement décrédibiliser le barreau, et décrédibiliser, mais à cause de 2, 3, 4 personnes, mais il ne faut pas quand même que tout le barreau soit décrédibilisé. Voilà. Les juges n'ont rien à voir dans ça. Ceux qui ont été agréés, ils ont été agréés, ils n'ont pas été leur concours. Mais ceux qui ont fait ce faux décret là, hein, qu'est-ce qu'il en est passé? Qui a fait? Pour chercher à savoir. Alors, moi, c'est ce que je vais donner comme conseil, et puis je vous remercie très bien du fait que vous avez rétabli Alia dans ses droits. Oui, parce qu'il a été victime de l'injustice. C'est la preuve que notre combat, que nous avons toujours mené, nous sommes du côté de la justice. Oui, voilà. Voulez-vous Sungutumba? Certainement. Autant de la voulez. Si vous êtes des hommes, il faut démissionner. Parce que vous l'avez humilié. Et c'est vous qui avez fait ça. Voilà, Tamora et autres. Voilà. C'est pas Mamadi, c'est bon. Oui. Alia a été humilié par Bala et son frère Idi Amin. Mais oui. Tu ne peux pas regarder le garçon. Oui. Tu ne peux pas le regarder. C'est pour ça que moi, j'ai peur. C'est tout. Et puis, Alia, à côté de Mamadi, c'était un danger pour eux. Ils savaient qu'ils n'allaient pas faire passer des bêtises là. Ils ont eu à faire. Voilà. Aujourd'hui même, les militaires ne sont pas contents de lui. À cette tenue, il y a leur tenue. La tenue, avant la tenue, la grosseur, les moyens, la tour. Dis donc, on vous a envoyé des tenues là-bas, cadeau. Forêt. Et les membres du PNRD, là, ont tenu dans son manac. Mais tenue, il y en a un mec. Dis donc. Mais... Très bien. Awa, il est Fode Abbas Bangoura, Obara Mavoka, ou même un conseil à Colomb. Nous tous les morogos, nous tous les morogos, nous tous les morogos. Attendez, je vais vous parler de Norbert Touré. Je vais vous parler et puis bon, voilà, moi, je vais vous parler parce que c'est des personnes que j'ai confiance. Honnêtement, ça, ça part nos intellectuels au pays, c'est-à-dire. Mon frère, il faut se sentir heureux. Ouais, vraiment. Il y a fallu ne pas aller à un dossier au Goulénara. On a la fallu au Goulénara. Oui. Ils sont allés faire sortir ça bon. Sur. Évasion. C'est Bala qui a organisé tout ça pour humilier le jeune. Oui. Il n'a rien fait. Non, non. C'est un bon militaire. Et heureusement, Mamadi a compris. Et il a bien compris. Ah. Avec le temps, il a compris. Et ça, je le remercie pour ça. Parce que c'est une carrière qui a été sauvée. La Guinée a beaucoup investi sur lui. Mais pourquoi vous pouvez quand même briser la carrière d'un jeune comme ça, là? L'affaire d'Alia, c'est notre affaire de Capitaine Dreyfus. En France, ici, il y a eu des choses comme ça. Mais comme ils prennent la mauvaise lecture, ils font toujours des coups comme ça, là. Une falsification là-bas, une fouille là-bas, c'est tout ce qu'ils ont appris. Voilà. Mais ils ne recherchent jamais la vérité. Sinon, il y a des gens qui ont volé. Il y a eu tellement de commissions, voilà, sur les marchés. Et aujourd'hui, le pays est bloqué. Mamadi, avant que la population ne se rebatte contre vous, parce que ramène à la Guinée, je sais que ça ne va pas. L'euro. Alors, si vous gérez bien la Guinée tout à l'heure, la transition là très bien, et on fait les élections, vous allez nous décharger nous aussi. Ça va nous empêcher un peu d'envoyer l'argent en Guinée. Voilà. Je vous demande de nommer un conseiller spécial à la présidence, celui qui vous a conseillé, président Sima, à Narabri Falebe, prendre la Bafik, à Tongoya finira conseiller. Tu m'as dit, nous faut y faire une walima. Komora n'est pas un bon conseiller. N'est pas bien. Voilà. N'est pas bien. Lui, nos il n'est pas bien. Nous vous le prenez parce qu'il est de Cancan. C'est pas ça. Alpha Barry, il faut le réhabiliter. Vraiment, ça va complètement. Il faut le réhabiliter aussi. Oui. Il a été victime d'un complot. Voilà. Et c'était fait par Dani et autres. Le seul crime qu'il a commis, c'est de dire que Maître Kabele est plus que Dani. Il dit à qui tu préfères. Il a dit ça, espace. C'est là-bas, on a piégé, après on a monté tout ça contre lui. Alors, avec tout ça, le montage. Et puis les avocats qui l'ont défendu, je le dis ici, il y a d'autres qui étaient de connivence avec Bala Samora. Et j'ai les preuves, hein. Moi, tout ce que je dis, j'ai les preuves. Voilà. Et si vous voulez, je peux même vous montrer vos photos. Voilà. Parce que, moi je sais, il y a même certains artistes qui étaient compliqués, par exemple, comme avait-je appelé FNDC,
Mais raconter des gens comme Ambil, qui était pour Alpha, des Boboni, dans les restaurants, Istanbul, moi j'étais des preuves. Dans Ambil Farama, dans Ambil Farama, des preuves, Nanira. Boboni. J'ai des photos, hein. Non, Naleri, FNDC Ratan. Et Boboni n'a jamais changé. Lui, il était avec Alpha, il était avec Alpha à l'époque. Il n'a pas changé. Mais il y a des gens qui venaient le voir. Voilà. Comme par exemple, il y a certains qui font, quand ils tapent sur le pouvoir le matin, le soir, ils vont demander l'argent aux alliés du pouvoir. Mais pourquoi tu fais ça? Faut arrêter. Et moi, ce que je dis, il n'a qu'à nommer un procureur général. Toi, t'as Cancan ou bien ici, à Conakry, n'a qu'à prendre. C'est quoi qui a la retraite là, il le fait venir. Il a besoin de lui, il a travaillé. Il a travaillé au Corps des Nations Unies à Haïti, il a travaillé, il a formé Rafara. Oui, à Famaraya, Alain Simatunga a nommé conseiller spécial à la présidence. Ibrahim Saïra, il a qui occupé sa sécurité, à notre bébé, à nous sommes bébé, à tout Mayakosia. Et tout ce qu'il a là, en tant que facilitateur, en tant que modérateur, il connaît toute la classe politique guinéenne. Il peut vraiment nous sortir de ça. Je sais qu'il a la sagesse. Il a la formation, il a le tempérament, il a tout. Voilà. Parce que nous n'avons pas l'attention, il y a un qui nous a. Bon. Voilà. Ah bon, oui. Et voilà, la professeur, là, là, là. Ah non, non, non. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bangoura. Je vais vous dire que je vais vous dire. Parce que tu es vraiment. Je vais vous dire. Bah, Akron, je vais vous dire. Je vais vous a swara ga khay kha nagam kimum khimu ba message la fafema. Je vais te bannir ici et tu vois que je suis en train de donner des conseils et vous êtes là à m'embêter. Il faut arrêter. Regarde-moi ça. Merci beaucoup monsieur Touré. Ah bon, donc ali ra avocat yat menacé par bala parce que nanara Idi Amin, hey, mon frère, mon cari tambe. Mais il m'a cloné. Mou de l'ansou qui foi bori libéré net. L'onde ya falama. Mon fils, il t'en protégé tant. Ok, le woule qui. Ou comment ça gagne? Depuis mon temps, la moute tête, n'a moua mille d'oma. Lui, il est qui? Il est qui? De gérer ce pays comme ça. Adore bori na ma, son jeune frère, tout près. Et nana. Macron aussi, il est ingénieur quoi, de bâtiment. Ah non, non. Bah, il a attendu, c'est de la banque, il a rien dit. Edouard Benjamin, avant de rejoindre ici les États-Unis, Momo est fait dans le vide. C'est pourquoi quand je vois des enfants qui parlent, qui racontent de n'importe quoi, t'as dans le moment, t'as ce qu'il a fait maintenant. Très bien. On va faire l'imma. Et là, la question, ça, faut des abasco. Bon, moi, là où il fallait la haligama. Mais il n'a pas de trahir, il n'y ni pour moi, ou il n'a pas ni pour moi, enfin. Tant que moi, je voulais faire la mère, donc, naka nana. Mama dit un problème là. Mouna mama dit compte. Mama dit na wali na amfari. Moutana fala haraba. Atanan na mieux placé de renverser Alpha. Mou regrette manara. Non. Fode mou regrette manara. Norbert mou regrette manara. La Guinée défend yom. Na wama la Guinée wama. Et mou regrette manara. Ma tourne qui n'a c'était pas bon. Il fallait maintenir les enfants. Il y a un gouvernement nanaki. Il fait tout le matin sur la main. Parce qu'il faut faire la main à colon. Maman dit tant. Il y a colon à Canarina pendant combien d'années? 60 ans. Il faut faire la main. Il est tout le balan et est tout le yarasu. Il n'aura pas faim. Il y a un bar qui est bon. C'est bien. Il y a un bar qui est bon. Mais il y a un bar qui est bon. Il n'est jamais trop tard, mon frère. Il crie que le nom de l'eau, mais il m'a fait. Yabade avec des personnes crédibles dans ce pays, les Guinéens crédibles. Mon erreur, il fallait faire une amatandi à Dangima 27 août 77. Baran Kalimangera Naranda.
Et puis, il opposait une régreffée, les cellules et autres là. Il a fait la faille, hein. C'est le Nahourami, la Guinée, tout la Guinée Baragon. Il t'en a fait la ribe. La Guinée n'a pas eu. Il a fait la Guinée Kema. Il a fait la forfait de Tama. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Hé! Amarabana! Amarabana! Ibalaba! Dali Media! Ria Giyawoma! Imukunyu Burama! Idi Amin! Ibana! Et Bana dit me rétablir plus rapide que possible avant qu'il ne soit tard. Hein. Et Bana, c'est des faux types. Là, ça n'a pas été un minard. La Guinée a couvert une année. Il a nous comme là. Il a regardé. Il fait ma salle folle moya. Il sert quel mira ou il a gaspillé par quel fruit. Non. Et bien y a l'angri. Docteur ne bien ouais. Il a lu la Guinée. Il m'en a fait Canada. Oui, Boris Touron pendant bientôt 70 ans. Il y a eu plus de combien de morts dans ce pays? Ça ne leur dit absolument rien. C'est comme si rien ne passe dans ce pays. Regardez, il y a un mandat. C'est eux, Tanara, les mêmes personnes. Mamadi, je suis la Guinée, je suis en Guinée. Je suis guerre civile la Guinée. Et puis Mamad Alpha Barry, il a rétabli, il a remplacé Balara. Dans la Falaribe. Bori Rimbel Maya, il m'a rabat, Raymond Choué, il voulait éliminer le Barry. Oui. Allô, mon frère. Oui. Hé, non, il faut la Baba Dibé, en héros la Mefi. Alors, Mefi. Toi, à tirer le narratou. Pas la rabri, ma métier, au nom de la famille. Hey! Son régime, sa transition a donné le sentiment que la justice est faite pour les d'autres, pas pour sa communauté. Non, dit. Nanana. Oui. Rabri, mouna tiré à la communauté, puis. Komoura et les autres là ont réussi à les faire recycler. Au nom de quoi? Indamine, c'est un ethno. Un ethno ne peut pas gérer une armée. C'est pas possible. Ses enfants ne l'aiment pas. Mais un jour, c'est comme ça qu'on a dit à Ransana Conti. Rien n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Mais si on n'a pas fait, on n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'est ce qui a créé, finalement, il n'a pas profité à lui, 2 et 3 février. Ensuite, on a vu les dégâts que ça a causé. On ne gère pas un État avec le sentiment et avec la subjectivité. Maman Birinara, il est de cancan comme moi, il est de... Non. Il est guinéen tout court. S'il est bon, il est bon. S'il n'est pas bon, renvoyez-le. Oui. Que si eux ont l'occasion, ils ne vont pas te rater. Je te dis, et je le redis, on défend pas ma parole. Non, il fallait pas la bille tout. Je t'avais dit, ton conseiller, c'est un faux type. Aujourd'hui, il a pris l'argent, il est parti. On n'avait même pas communiqué sur ça. Amal, il est porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas, il ne peut pas. Il cherche à faire semblant. Il est avec toi. Il n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Parce qu'il y a des choses qui se passent entre vous. Nous connaissons, on ne dit pas ça ici. Maintenant, il cherche à t'enfoncer parce qu'il fait semblant. Il a pris le taux. Non, t'as mis à la bas, mais à mon nom, il fallait me mettre. Vous en a magou, il en cuit. Voilà le problème aujourd'hui. Voilà, toi, que l'on a côté de l'anara. Et à main, pas mieux. Et ma main. Voilà. C'est comme ça que Sekouba a pourri. Dadis, à ce qu'il a fait, c'est un rabat d'avait. Il n'a rien à manger. Et ce qu'il a foré, et mon rabat, tout, on a mis. Et pas qu'il foré, il y a eu des problèmes. Mais, étant qu'il y a eu des problèmes. Mais, il a une ma colombie, il a un rabat. Il a une suspension pour le mettre en main. Il faut les suspendre. Oh, Bogola, parce que il y a eu une tragédie. Et cette tragédie-là, il faut répondre aussi avec les actes forts qu'il faut puiser. Voilà. Parce que demain, ils vont dire que c'est toi le seul responsable, les Tangamara. Ils sont capables de le dire. Parce qu'ils ne sont pas. Sinon,
Il y a certains qui n'allaient pas laisser d'aller sur le prétoire. Ils veulent dire aujourd'hui, nous l'avons donné des mauvais conseils. À l'époque, on s'est trompé au dernier moment. Mais il ne peut pas le faire parce qu'ils ne sont pas dignes. C'est tout. Voilà. Et c'est ça. Rien là-bas, tant mieux. Non, mais un procureur général qui est bien, qui n'est pas capable de dire aux gens non, ah, moi, en tant que PD, voilà, c'est le pouvoir qui fait non, qui n'est pas capable de tenir des discours comme ça, qui a du poids. Donc, Bala Samora ne tient pas sur les dossiers. Voilà. Parce que Bala a toujours voulu affaiblir le parquet général pour qu'il prenne, et lui, le parquet. Voilà. Il instruit les dossiers, il rançonne les gens, il prend de l'argent, il fait de n'importe quoi. C'est l'un des hommes les plus riches aujourd'hui. Il a acheté une maison ici, en France. Avec maintenant. Mais tout ça, c'est au détriment de ton. Parce que vous avez dit que vous allez lutter contre la corruption. Bon. Voilà. Alors, c'est ça. Les Guinéens ont le sentiment aujourd'hui que l'acharnement, ça vient de d'autres communautés. Mais dans ta communauté, vous ne le faites pas. Vous avez très bien fait. Yaya Asso, vous l'avez rétabli parce qu'il a été victime d'un complot. Oh, c'est très bien. Il faut rétablir aussi Alpha. Mamadou Alpha Barry. Mamadou Alpha Barry, voilà. Je ne connais même pas son nom très bien parce que d'abord, il est Barry. Bon, les Barry, ce sont des. Bon, je ne vais pas dire ça ici, mais il faut le rétablir dans ses droits. Moi, je ne le connais pas. Il me connaît à distance, et ainsi de suite. Bon. Mais je ne l'ai jamais pratiqué, mais je sais qu'il est bien. Il est bien, et puis il a été victime de l'injustice. Son avocat ne peut pas te dire ça. L'un de ses avocats même était tout le temps avec Bala. Bon. Il a été jeté dans un complot. C'est comme Saliba. Saliba était dans un complot. Ils vous ont opposé à Saliba. Bon, maintenant, ils l'ont éliminé. Parce que tout ça, c'est pour dégager les gens qui peuvent être obstacles pour eux. Pour t'atteindre. Mais c'est ça la vérité. Mais pourquoi tu combats ces loups? C'est lui qui a fait sortir sa population. C'est lui qui a fait la même chose. Mais vous pensez que si les gens n'avaient pas dit qui va aller sortir? Tu penses que c'est dans ça qui a fait sortir la population guinéenne? Maintenant, il n'a qu'à faire sortir la population guinéenne pour vous. Attendez jusqu'au premier. Vous allez voir, la vraie population va sortir contre vous. Vous allez voir. Vous avez intérêt de travailler avec les leaders là. Tous ces gens-là sont en train de vous tromper. Parce que corruption, comme il dit, et nous restons devenus vraiment là, comme le soir, comme il ramène le minimum. Non, il faut quand même que le minimum, parce que tout l'arrive. Et quand vous avez pris le pouvoir, si les leaders avaient dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais vous n'allez même pas vous asseoir, il y avait des gens qui étaient prêts à aller à l'affrontement. Hein. Bon, mais quand ils ont vu la population, ils ont dit, attendons, parce que si nous sortons là, nous sommes des hommes de Alpha. Ancien, mais c'est la population qui va régler notre compte. Voilà. Alors, il ne faut pas trahir cette population. Il faut encore prendre cette population. Vous prenez la Guinée. Il faut nommer les hommes crédibles autour de vous et vous mettez quelqu'un en mission pour négocier avec tous ces leaders-là. Il peut prendre son avion pour aller en Côte d'Ivoire. Il peut appeler ses loups. Il va voir ses loups, ainsi de suite. Et nous allons éviter un chaos. Voilà. Parce que on avait bien l'effort, on avait bien la poste pleine de Guinéens. Maintenant, on a les Guinéens. Aujourd'hui, les gens sont prêts à l'affrontement. Mais, évitez ça. C'est vous qui serez responsable. Personne d'autre ne sera responsable. Tous ces gens-là. Tu as vu ce qui s'est passé à Derek? On dit que c'est vous. Hein? Voilà. Et d'abord, vous êtes au pouvoir. Hein? Les gens ont commencé à vous lâcher. Mais le jour où vous ne serez pas au pouvoir, il faut imaginer ça. Je te dis que je serai l'un des rares qui va vous défendre un jour. Je n'ai jamais, vous ne m'avez pas donné un franc, je n'ai pas pris un franc, même centime avec vous. Je suis là. Et je vous dis, c'est la Guinée que j'aime. Et j'ai de trucs pour vous. Quand vous avez été, et quand vous persécutez, les gens qui vous ont protégé, ce sont vos amis. Voilà, tout le reste là, si le coup d'état, la fuite de pouvoir avait échoué, on allait vous arrêter tous. C'est les gens là qui allaient vous ligoter encore. Voilà. Alors, arrêtez ça. Moi, je ne veux pas de poste, mais ce que je veux vous dire, honnêtement, je vous conseille de prendre des grands hommes-là et vous faire entourer par ces gens-là. Enlevez Dansan. You know, ce que Dansan est en train de faire, ça, celui-là peut faire ça en un mois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Enlevez tous ces gens-là. Si vous voulez, vous ne pouvez même pas le payer, vous payez les primes. Il va accepter par patriotisme. Parce qu'on est en train de bouffer là, de gauche à droite. Tout ça, c'est du vol. Déguisé. Merci.
C'est que vous avez quelque chose à dire ou bien juste pour écouter. Abdoulaye Barry, bonsoir. Oh frère Omar, c'est vrai parce que ça c'est connu par tout le monde. Il n'a rien dit falloir naki nénara nénara. Donc on a créé Guinée comme des merveilles. Na message nana Malik Kamara non aga avocat yiras katarbi Mamadima anu aga fotipira la ratification. Mon frère Rimar ba se gâté anyong c'est fini. Na ga yetina autour de vous là-bas là. Donc vous voyez abin fotip. D'abord, il a conseillé qui était avec Dadis. Dadis lui dit, zéro. Tous des faux types. Oui. Recommandation. Allez, rakara menino. Ma inquiétude là, moi, bara ça. Bah, faut dire, bah, ouais. Maintenant, ma décision, non. Il m'a dit, on a un modèle là. De donner l'occasion aux fainéants de ce pays de faire du mal aux jeunes. Itanouni, pendant combien d'années vous êtes ensemble? Tu respectais, tu obéissais. Dis donc, comment? Il y a un gouvernement qui est là. Et colonne, et maintenant, ma corps me remet. C'est ce mangé, ma sorte à l'érinan, il y a un colonne. Il y a des raïmènes. Oh, non, d'amara. Il est faux de la base. Un homme a consigné fidèlement à partir de l'extérieur. Wallahi, Rimaraba, Yatouma. Quand il y a un homme qui a été d'abord, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Arrêter quelqu'un, pas pour faire du mal à la personne. Non. Il faut l'arrêter. Et arrêter également Kabina Komora. Sarandaraba. Il faut l'arrêter aussi. Oui, oui. Il faut les arrêter et mettre à la disposition de la justice. Et ma petite fait femme, Rima Raba, et ils vont t'arrêter. Madame Kalimangere Naranda. Parce que, n'a rien de pouvoir, n'a rien de tout à la Guinée. Et t'en as idée à me manipuler, faire qui n'a qu'à. Pas voilà, André Baramin, n'a pas de cumin, chrétien, n'a pas de cumin. L'ancien Aramara Bangira Glenna, Mangana, Rasiana. Kamusikana, c'est pas bon. J'ai vu Bala tirer ça, la restitution. Quelle restitution? Donc, tu connais ce qu'on doit restituer en Guinée? L'aéroport là nous appartient. Il fallait commencer à restituer l'aéroport du Bessia au propriétaire et les 8 hectares de Baïdigué à la famille de Baïdigué. C'est ce qu'on appelle la vraie restitution. Ou bien quoi? Je ne sais pas. Fucking stupid, toi. Ils sont collaborés que l'eau rebouille. Et Rama, nanara, tu vas gérer Farana. C'est pas la Guinée. Vous êtes des méchants types. Oui, n'y a ou vrai. Et bah, il sera derrière Manassar. Avec prétenant. Et Rama, Moumakolo. Frère, on mettra fin à tout ça là. Ou la Guinée est à Foulon. Ou la Guinée est à Boulon. Ou, il y a un tambangé qui est. Rien n'angoué. Maman dit Rima, Rabé, Tara, Bafinera. On se voit, Tibar, Makore. Fait là bas 28 et t'en marre bas là et zéro courir et t'en a organisé sont avec toi mon nom est là bas donc à l'ira fa fait et à gouvernement ma comme avocat ma falari dans le barmina fukui mayam mais comme une des colons une des fans des colons moi fait. Mais il y a des gens qui sont là, parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. On s'en fout. Mais il y a des gens qui sont là. Alors merci beaucoup. Mais il y a des gens qui sont là. 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 Il y a des gens. Araba maïkine, n'tamou mirima toma, rivaleur mouna lire. Et valeur,
anu nali ni matoma menne anu iwali na anna bama inara bama tuombiri nara kuna hali findi ndendera so nanato naga ma avokari afa falambe naga anama nantan baraga bili na sode nere kini no c'est clair okuna kui kawoti ombiri nara kawomuti kuna mutanu lagine narago ah no 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 mumukelma lagine ma feu nara nyoma na gama marwan nabulo acha aginaire di medina raba fami folade yakos y compris le fond que mangue et bilo senarito mon frère est en fari nera weina ma nera weina ni transition na raba ira bolo et le rat continuera combat merci monsieur Kerno Diallo qu'il fait friton partager merci mon frère mami souma aura yo belagana nak comme toujours on wali ala abray fiuma et bien de choses à la famille monsieur souma Abbé Razak, il faut merci. Nandinara, et remercier surtout mon avocat pour moi et l'encourager pour moi. Et mon ami également, monsieur Touré Norbert, on a fait remercier Mbé. A nous, Mirfaïnari, Yete, tout le matima, Mora, la Guinée, Rafira. Et on a un mot Nabil Moussa Kamarama, Bruxelles, Belarena, qui mes frères également ici, Benito et Damaro, Netori, Suleiman Kondé. Vraiment, Tongori Falamane, merci beaucoup pour le combat que vous faites pour la nation guinéenne. C'est un combat noble et continuez. Tant que on m'a borri moufanana, non dit à rien ma non dit nama. Voulez à rien ma voulez nama. J'ai écouté la semaine passée un message de mon frère Sule. Ah non, c'était vraiment un excellent message. C'est comme ça. Au mot de règne, mais il a répondu au Conakry Berna et Ravi Rabana et mon fait modèle que la frappe est nara. Il me reste un phare la Guinée gérée raiki. Il n'a pas ethno fait tonguer sur lui. À la Guinée fera n'emuira et bombo fera et manchira guru. Alors, kadime tout mofa mon rebe ne n'a pas comprend. Faut mourir encouragé de continuer le combat. Et rakolon mon esana, mon démagogue est tombé la rete en sonnant. Ça c'est clair. Je vais vous envoyer mon frère, ne vous inquiétez pas. Continuez et doublez d'ardeur face aux ennemis. C'est ça la vérité. Mouta Moutifego, que ça soit Mamadi ou une autre personne. Ou la Guinée Nantongoma. C'est clair. Damona. C'est un demago. Il m'a dit des messages comme ça là. Merci. Et encore merci, Idi Diallo, Atlanta, de la Reine Anaki, enfin merci, Yakaria Bangura, merci beaucoup. Et monsieur Yula de l'autre côté là, hein, enfin merci, Idi, l'air bling, et la belle vidéo partagée, ma message là-dedans, ma maman dit à tout bas là, mais c'est oro. Ah non, non, non. La personne a eu peur. Elle m'a continué. N'ayez pas peur. À la Guinée Fénara, essayez de contacter les bonnes personnes qu'on vous donne de bonnes directions. C'est ça la vie. Nobody is perfect. Ibn Adama,
Mukamalima, foyim rifanye tongo de personnes conscients. Ne nan amatoma, ena bori na ikayera maikine. A falafé, un ministre la défense. Atia anu différence sa etne tagi. Nere la mera wali pour construire la Guinée. Ça, c'est pas un ministre ça. Ça, c'est des gens. Maklone kilrebena. Nous, on ne tue pas un militaire. On le prépare, on rentre. C'est-à-dire, quand nous n'avons fait modèle, mais ça me dégoûte, ce monsieur-là. Maman dit, il t'a lésion française là-bas. Il n'a pas modèle, il n'a conservé ma. Pourquoi? Il débarrasse Nera. Et ce justicier-là, il va le tomber à la Guinée. Il va le dire, moi, Boris Brinso des Chinois. À nous, Libanais. Appuie avec tes faux commerçants, import-export. La Guinée Kamou, la Guinée profite, fait tout. Tout le monde a peur. Bala, c'est comme un natide. Bala, c'est comme un faradé. Mais dès que Bala, il a été. Il a 28 septembre, qui Amiré Boroma. Je vais vous dire, non, mais il y a un côté de la Bernabé. Ou bien, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il a tout fait parce que Gao petit yara et Wama il m'a fait qu'on a eu bien si bah avocat bara fala dundo qu'on a mané un mot à mon mot de dara ou à partager au chasso mamadira ou à soi. Il est temps de rectifier les choses. Ok, je vous remercie, madame Mabeneto. Merci et encore merci. Thank you.